Bien, on va revenir à des choses plus gastronomiques, puisqu'on va parler de Food Deals, et on reçoit Jessica Bridier pour la troisième, non, pour la première fois. Bonjour Jessica. Première fois. Salut. Ça va? Ça va très bien. Alors, Food Deals, explique-nous un peu ce que c'est que ce magazine totalement food. Alors, Food Deal est le résultat, le magazine est le résultat de Food Deal Media. Oui. Food Deal qui a été créé en 2014 avec l'application, une application où on cherche les restaurants directement sur le téléphone. Et après, le fil a pris, on a pris, on a pris, on a augmenté les propositions. Et maintenant, on a un magazine papier, donc Food Deal, qui met en avant. Qui est déjà son numéro 12, je crois, c'est ça? C'est ça. Oui. Numéro 12, le premier numéro est sorti en 2018. Oui. Et 12 numéros après, ben, on est là, toujours, toujours. Avec Mylène Colmar, a proposé de la mise en avant d'artisans, de restaurateurs, mise en avant de talents gourmands. Alors, Food Deal, c'est devenu en fait une véritable, j'ai pas envie de dire une industrie, mais enfin une véritable entreprise. On n'y est pas encore. Non, pas encore une entreprise. Pas encore une industrie. Non, non, une petite entreprise quand même. Une entreprise, pas petite, il n'y a rien de petit. Ouais, On est une une entreprise, on entreprise, va dire. voilà, une société qui prend Oui. de l'ampleur, Oui. qui a fait ses marques, hein. Et qui a pris toute sa place dans l'univers gourmand de nos îles de Guadeloupe. Et ça, c'est une très bonne chose, puisque vous dites qu'il est pratiquement présent dans plein de manifestations régulièrement. On est régulièrement invité puisqu'on a une grosse communauté qui nous suit. Oui. Donc derrière, les personnes veulent avoir la possibilité d'avoir de la visibilité sur leurs événements. Donc c'est pour ça qu'on est régulièrement invité aussi sur les événements. Alors, je ne sais pas, dimanche dernier, vous n'étiez pas à VG Créole, non? Bien sûr. Ah, vous y étiez. On s'est vu. D'accord, elle était à VG. Alors, venons un petit peu à l'autre extension, c'est le lab de Oui. Foodil. Qu'est-ce que c'est exactement un Foodil Lab? Alors, Foodil le Lab. Alors, depuis 2017, donc, on proposait des ateliers de cuisine un peu partout, dans les laboratoires des chefs, dans les cuisines des restaurants. Et donc là, depuis le mois de juin, on est chez nous, après 9 ans. De recherche? Non, allez, un an de recherche, un an et demi de recherche, Oui, et c'est là on a compliqué enfin comme ça de trouvé. trouver un lieu pour. Mais après, on fait quand même de la cuisine, on fait quand Oui. même des ateliers, on reçoit des personnes, Oui. et surtout, on a voulu créer un lieu aux normes PMR aussi, permettant de recevoir les personnes à mobilité réduite. Ouais. Donc derrière, ça demandait aussi un certain espace, et c'est ce qu'on a trouvé en se mettant là à la rue de la Chapelle. Oui. Et donc, c'est un véritable laboratoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le laboratoire? Quelles recherches vous faites à Foodil? On fait des recherches pour que les esprits puissent s'émerveiller, toujours créer, être créatifs. Oui. Donc, Food Deal, le lab, c'est le laboratoire des tendances culinaires. Donc, non seulement on propose donc nos ateliers de cuisine, de pâtisserie, de boulangerie avec nos chefs, Oui. les différents chefs qui sont dans l'univers Food Deal, et même les nouveaux qui arrivent. Et on met en avant les chefs, les pâtissiers, les agrotransformateurs dans la première partie du lab, avec un espace spécialement conçu pour pouvoir accueillir ces personnes et dire que, par exemple, ben demain, tu pourras découvrir une confiture à la bocca. N'hésite pas à venir passer voir. Ah, une confiture à l'avocat. Ouais, il y a des personnes qui font des confitures à l'avocat. À l'avocat, oui. C'est la dernière nouveauté. Pas dernière. Il y a encore tellement de choses. Tu n'imagines même pas le talent de nos artisans Alors, guadeloupéens. je sais qu'il y a en Guadeloupe, puisqu'on les reçoit ici régulièrement, des gens qui ont lancé l'année du fruit à pain. Alors, Oui. est-ce que Foodil s'est intéressé au fruit à pain? Bien sûr. Alors samedi, pas plus tard que samedi, on a Oui. un atelier Oui. cohésion où on fait plat mousse de fruits à pain rôti. Mousse de fruits à pain rôti. Oui. Voilà. Et on va faire un blanc manger Dis-vous coco ça, aux fruits à pain. 13h39, ça me donne faim, ça. Hein. Je suis sûr qu'à Job, qui est là, il me dit, mais qu'est-ce que c'est que tous ces trucs-là? Alors, mousse Mousse de de fruits fruits à à pain pain rôti. rôti. Donc on va faire le fruit à pain rôti là sur le barbecue Oui. et on va réaliser une mousse avec. Oui. Et donc, ce sont des masterclass, si je veux parler comme ça, que Foodil Lab s'organise? C'est ça, des masterclass, des ateliers, Oui. Se faire se rencontrer les chefs avec les gourmets, les faire passer de l'autre côté, puisque souvent on les voit dans leur restaurant, et les faire passer de l'autre côté et cuisiner avec eux. Oui. Et donc, est-ce qu'on peut encore on peut déjà déjeuner à Foodit? Pas encore, Pas pas encore, encore. parce Mais que je c'est. serais parti tout de suite là pour nous être seul en théâtre, moi j'écoute les autres. Hein. Pas encore. C'est justement pour cela qu'on est en campagne de crowdfunding. On est en Oui. campagne de financement participatif sur Ulule Oui. pour pouvoir compléter l'achat de la vitrine, pouvoir placer les plats, pouvoir placer les boissons et compléter, être au top, Donc pouvoir ça vous veut dire que recevoir. d'ici quelques temps, on pourra appeler le GCL TOC.
C'est ça. On traverse la rue et puis... Tu reçois ton menu, oui. Tu sais quel chef est invité cette semaine. Sur l'application, je demande mon menu sur l'appli. On va travailler sur ça. Oui, moi aussi pour le numérique. Hein, à ce moment. Mais on est aussi pour le numérique. Hein. Oui. La première chose de Foodil était quand même une application. On était en 2014. Oui, c'est vrai. C'était parmi les premières applications. Alors, le journal, on va parler un petit peu du journal, ce dernier numéro. Qu'est-ce qu'on y retrouve? On va pas tout dire, mais enfin, qu'est-ce qu'on retient du sommaire? Alors... Ce numéro, alors, à chaque numéro, on met en avant un chef, habituellement. Cette fois-ci, on a pris l'option de mettre en avant des agrotransformateurs, des personnes qui travaillent les produits du territoire. Très important. Et cette fois-ci, on a travaillé avec Sarah Gobert. Oui. Sarah Gobert qui fait des huiles essentielles à base de nos... par exemple, avec la rose porcelaine, donc c'est pour ça qu'elle est en couverture. Oui, je me posais la question. C'est ça. Ben, c'est parce qu'il y a une Sarah Gobert, quelque part, de Jardin d'Ayo, qui a le talent de faire des huiles essentielles avec nos plantes. D'accord. Et on a aussi donc Moïse Jackson qui réalise des steaks de soja avec des produits pays. Oui. Et Marc Paturo, je pense que tu le connais, Marc Paturo. Il fait des liqueurs, des punches à partir de légumes ou bien de fruits qui ont été fumés. Oui. Est-ce que Food Deals est quand même bio? Bio, on y pense aussi. Oui. Bio, en fait, nous, on est dans la promotion de nos fruits et légumes, d'accord? Oui, dans la promotion de notre territoire. Donc, on travaille avec les personnes adéquates pour que tout ce qui est partagé, tout ce qui est mis en avant soit le plus simple possible. Une dernière chose, les rendez-vous du lab, comment ça se fait? On s'inscrit sur l'appli, comment ça se passe? Alors, on s'inscrit sur le site internet, les ateliers fruits. Alors, le site internet, c'est www. Les ateliers, avec un S, foodil.com, les ateliers foodil.com. Alors, on s'inscrit sur l'atelier et après? Et on s'inscrit, on peut participer. Donc, on a des ateliers en ce moment en pâtisserie, on a des ateliers enfants, en cuisine, notamment pour travailler autour du Giraumont avec Maïs Cuisine, c'est le programme des vacances. Oui. On a des ateliers de pâtisserie aussi pour les enfants. Et première semaine du mois d'août, on est en train de préparer une belle surprise puisqu'on reprend un peu le thème de nos En cuisine avec. Et donc là, on recevra une invitée assez connue qui sera le commis du chef. Et bon, on n'en parle pas encore puisqu'on est en train de mettre en place. On est en train de mettre en place. Et l'idée, il faudra être assez rapide pour s'inscrire à cet atelier puisque vous aurez la chance de cuisiner avec cette personne. Le prochain numéro de Food Deal, c'est à la fin de l'année. Novembre. Je sais tout, hein. Je vois ça. En tout cas, je te remercie d'être venu. Merci de m'avoir invité. La première fois ou la troisième fois, je ne me souviens plus. Toujours la première. Ah, c'est la première cette fois-ci. À la prochaine. Oui, pas la dernière. Un petit mot quand même pour le co-funding, pour les gens qui regardent. Alors, les personnes qui nous suivent et qui veulent nous encourager, nous remercier par rapport au travail fourni, vous pouvez vous rendre sur la plateforme Ulule, U-L-U-L-E, et taper Food Deal et souscrire à partir de 1 euro, nous encourager, nous donner... 1 euro, 2 euros, 10 euros, ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent. D'accord. Voilà.